Italie, effectivement, à mes côtés, Sami Iraghe, il fait partie des témoins clés hein, de cette tragédie. Sami Iraghe, bonjour. Bonjour. Alors vous étiez ancien gendarme, vous étiez en poste ici au sein de la brigade à Fagawe en 1988. Vous avez été aussi parmi les otages, hein, vous avez été en otage à deux reprises, hein, je vous rappelle, une fois à Mouli, puis dans la grotte de Bossana. Alors, 30 ans se sont écoulés. Est-ce que vous pensez que le temps vous a aidé à apaiser et à atténuer la douleur? Oui, on va dire comme ça que le temps a essayé d'apaiser la douleur. Et surtout douleur de famille, moi également. Et je dis que voilà, c'est des choses qui restent. Enfin, c'est des souvenirs qui vont rester. Elles sont douloureuses, mais ça va rester. Et sinon, ça a permis d'apaiser. Alors maintenant, quel regard portez-vous sur ces 30 dernières années qui se sont écoulées? Je pense que voilà. Il y a des personnes qui sont mortes ensuite à ces événements. Et je pense que ce qui a été fait depuis, c'est-à-dire sur les 30 ans, je pense que ça a permis de faire évoluer les choses, surtout en Nouvelle-Calédonie. Et ça a permis d'évoluer aussi, je parle des accords surtout. Et je regarde ça de chez moi maintenant parce que je suis rentré à la maison. C'est vrai que il y a beaucoup de choses ont changé. Moi je dis que ces morts ont permis de faire évoluer la Nouvelle-Calédonie dans le bon sens. Très bien. Alors, cette visite du président de la République, hein, c'est la première fois, on l'a dit tout à l'heure, qu'un chef de l'État se rend à Ouvéa après les événements de 1984. Comment vous, Sami Iraghe, vous percevez cette visite, ce geste d'Emmanuel Macron? Moi je dis que c'est un geste fort de la part de la présidente française, surtout vis-à-vis de ce qui s'est passé ici. C'est très fort. Surtout de choisir Ouvéa au lieu d'aller à l'Ifou ou à Marais. C'est vrai que c'est 30 ans, mais 30 ans sur Ouvéa, c'est déjà un geste fort. Moi je dis que c'est aussi bien pour nous, pour les habitants de l'UVA, pour les habitants des îles, mais aussi bien aussi pour la Nouvelle-Calédonie, que la présidente française vient chez nous. Et bon, c'est vrai que ça ne va pas atténuer les douleurs de chacun, mais voilà, moi je dis que c'est un geste qui est très fort de la part du président. Je suis content qu'il soit là, très heureux de soit là. Merci, Sami Iraghe.